devons rappeler les fondamentaux de toute insurrection citoyenne de par le monde. Nous sommes au 21e siècle. Le premier, c'est le côté horizontal. Personne n'a le droit de parler au nom de cette révolution, si ce n'est les malintentionnés dont justement l'objectif de le tuer. Ce que nous n'autoriserons et nous permettrons jamais. Le deuxième point, c'est le côté citoyen. Nous devons effectivement militer pour prendre des initiatives concernant les lois qui régissent notre pays, les institutions, comment est organisée notre société. Il faut qu'il y ait des prises d'initiatives citoyennes, des intellectuels, des gens au niveau des villages, au niveau des communes, parce que nous devons repenser l'Algérie, puisque l'Algérie de demain, c'est d'abord l'Algérie que nous allons construire nous-mêmes. Le troisième point et le plus important, c'est le côté pacifique. Silmière pour laquelle nous avons souffert pendant une année et demie, nous ne devons pas l'hypothéquer parce qu'on a été provoqué ou parce qu'il y a quelques militants parmi nous qui ont un peu perdu la raison et se sont emportés parce que sous la menace, la provocation des forces de l'ordre, ils se sont laissés aller. Nous devons nous ressaisir, nous devons nous rappeler qu'il y va de la survie de notre mouvement, le côté pacifique. Concernant les détenus, nous sommes avec eux. Matin et soir, nous sommes là mobilisés jusqu'à ce que tous les détenus soient libérés. Nous n'accepterons jamais à ce que la violence sévisse dans un pays qui est au milieu du bassin méditerranéen. Nous sommes Ehl Démocratia, nous le resterons. Rappelez-vous de la Numidie antique, l'histoire témoigne de notre grandeur. Vive l'Algérie, tahia al-sha'b al-jazairi wa tahia al-nidal li kulli youm. Garder le caractère pacifique, c'est comme ça qu'on va réussir. Le caractère pacifique, où l'ai-je ? Et puis l'union. C'est le moment aussi de s'organiser dans les communes. Les quartiers, les usines, les entreprises, partout, il faut s'organiser. Même l'unité de l'action anti-insur, il faut l'organisation au niveau des communes. Il faut s'organiser aussi, une organisation pour la défense des détenus, plus pour la révolution aussi, pour faire aboutir cette révolution. L'organisation, maintenant, c'est le moment de s'organiser. Entre nous, donc c'est à nous maintenant de faire le tri. On le fait, la révolution l'a déjà fait. On continue, mais avec l'organisation dans les communes, dans les quartiers, dans les usines. Il faut le faire. Si on ne le fait pas, on ne peut pas gagner. نقول لك رد اثن كسكيني ثنيا كي دوز انت كوزي انت نسال تا كوزي تا كوات تبذل اولا الحبس تاع الكومبان غاث تكملت باسكو لا لايب روح نوالد نسن لا لايب ندي الحبس لا لايب يضر يضر البطل نقول لك البطل غادي يسوف غنسافري باش انت هو تيضر يسوف غنسافري فهم ميت نقول لك الكومبان غاث تكمل لا شو تاع حاجه لقات تزرع الا قات نساو لينيو باسكو حنا بغينا نعطيك شمن ضرب لا قبايلي لا شاوي وثامن تاعنا وثامن تالا كيني غساكير غساكير تبوي تم الطوز تاع دي بلاصي دي دي غاسي زور دي ماتا ساو الغاس اللي در ذاك كان تاع طارا تاع دي بلاصي دي سي الجير الجزائر تبوي در ذاك انت تلوم تاكلينو فهمتي انت باش كل زاد شي داك السبلا دا يثبت انه غزرى مالا السبلا دا يوت يمات يوت يمات داك السبلا انا كمل ذاك ذاكير سمنا دا يوت يمات اسمي الثوره السلميه هات نكمل باسيفيك هاك انت سلي واخد من ذا الحاجه نقول لهم الحب سالي امنو نغاز نكمل باسكو تلفي غير في الباطن فقد اللي بيري ثابور في النار ما يسكتوناش وما يخفوناش والله العجلة والله القانون والله العجلة والله القانون كتل الجميع من رحمن قناة السيكو أراتي هو كي مرقو والله القانون جابوس غماتي
مكروه.